Coucou, nouveau vlog. Ça va mieux déjà depuis ce matin, avant d'aller au rendez-vous. Hier, c'était la pire journée, ça n'allait pas du tout. J'étais vraiment dans le mal. Mais j'ai fait du montage et je me suis rendu compte, j'ai pas envie de vous saouler avec ça en fait. Ça fait trois vlogs limite consécutifs où je suis pas bien. Et j'ai pas envie de vous saouler, mais même moi je me suis saoulée de me voir comme ça, vous voyez le truc. Ça faisait partie de ce qui m'est arrivé ces deux derniers jours, donc c'est suite à ma chute, hein, entre guillemets. En même temps, j'en sors, ça fait une heure, hein. En tout cas la séance en elle-même m'a fait un bien fou. Il saute partout, pas que sur tout ce qui est manipulation, mais aussi psychologiquement, parce qu'à chaque fois bah, on parle beaucoup, hein. C'est aussi... Il y a aussi un travail, on va dire, de psy qui se fait quelque part. Je vais me couper la frange aujourd'hui parce que vous êtes très souvent à me dire « Caro, comment tu fais pour couper ta frange ? J'aime bien, elle est droite. » Je l'avais laissée exprès en pousser. Et bah, ça va être le moment. Je pense que je vais faire carrément une vidéo dédiée. Elle va être courte, mais au moins, ça sera fait. Je suis en train, vous l'entendez, faire chauffer mon petit repas de ce midi. Parce que oui, la journée est bien avancée avec déjà rien qu'une heure d'ostéo. Ça fait quand même plaisir, je me sens tellement mieux. Elle est toujours là, hein, si vous voulez, mais rien à voir. Ça y est, je viens de faire mon tournage. Comment je coupe ma frange, d'ailleurs, voilà, elle est toute belle. C'est vrai que c'est quand même mieux, hein, quand c'est tout droit. J'ai les colis aussi à aller envoyer pour les deux gagnantes, mais j'ai envoyé un message pour prévenir que ça allait prendre un petit peu plus de temps. Donc ce sera soit aujourd'hui, j'y vais, soit demain. Et, ah, je devrais pas, mais j'ai envie. Je suis en mesure de vous dire que mon projet, et oui enfin, ça faisait un moment, je prenais sur moi, je ne vous en parle pas. Je vous ai dit, j'ai deux projets, la fille, un projet plus petit et l'autre plus gros. Là, je vais vous présenter enfin, je pense, dimanche soir, vous aurez la vidéo de mon projet, le plus petit. Ouais. Parce que normalement samedi tout va se faire, donc le temps que je fasse la vidéo, que je la monte, parce que je veux quand même faire un truc un petit peu sympa, hein, forcément. Je pourrais prendre des semaines de travailler, mais c'est pas comme ça que je fonctionne, donc voilà, je vais le faire de façon beaucoup plus spontanée. Et enfin si, parce que je suis un petit peu dépendante de la poste, pour tout vous dire. Il y a quelque chose physiquement qu'il faut que je vous montre, que je n'ai pas reçu, mais j'ai reçu l'ordre, comment on dit l'ordre, je ne sais pas... Chronopost qui me dit que samedi le colis arriverait, donc si c'est pas trop tard je peux tourner samedi, auquel cas je peux la mettre dimanche, mais si c'est pas dimanche ce sera lundi, mais je pense franchement que ça va être dimanche. Oh, j'ai hâte. Alors dans ces cas là doit-on dire bon ne vous attendez pas non plus, voilà, ne vous attendez pas non plus à je vous le dis, j'ai pas écrit un livre, j'ai pas sorti, mais c'est quand même quelque chose qui est cool. Allez, on fait un petit, parce qu'on avait fait pour l'autre projet, je vous avais fait un sondage, vous m'aviez mis plein de choses, et j'avais eu, franchement, j'avais eu au moins 200 réponses, suggestions, et il n'y en avait que 2-3 hein, qui avaient trouvé. Et là, bah, pour celui-ci, j'avais jamais fait le sondage. Donc le petit projet, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Ah, dites-moi tout ça en commentaire, j'adore vous lire et... je trouve ça cool de voir un petit peu dans quoi vous imaginez la chose. On va y aller tout doux. Je vais faire les paquets. Bon, c'est pas comme Vinted, donc je sais pas si je peux faire moi-même un paquet ou si c'est un carton. Je vais mettre du papier déjà comme ça. Je vais protéger ça aussi parce que là, il y a du fragile. Avant que je ne referme le truc, je vais quand même leur faire un petit mot à chacune. Ouais, c'est bon derrière, c'est blanc. Et je viens glisser juste ici. Voilà. Bon, fermé. Et bonjour tout le monde. Alors, c'est comme ça qu'on accueille. Bonjour. Alors. Ah, c'est l'épaisseur qui pose problème peut-être là. Oh, on reste à... oh si. Si. Ça va le déformer. Ok. Bon, ben voilà. Je me sens mieux. Ça faisait plusieurs jours. À chaque fois, tu sais, tu repousses. Et c'est pas bien. Je suis tombée sur deux connards au fait. Enfin un surtout. Bah oui, bah forcément j'étais en jupe. Enfin non, j'avais un legging. Hein. Un legging et une robe carreau, plus vous avez vu ma veste quoi. Ils peuvent pas s'empêcher les mecs de faire des réflexions de merde. Franchement ça aurait été l'été, j'aurais pas eu l'épaule, le machin, t'as pas envie, le masque. Je me serais arrêtée, j'aurais été le voir. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah rien, Eric va pas tarder. Et moi je vais continuer parce que j'ai foutu encore un de ces bordels vu que j'ai fait le tournage et à chaque fois que je fais un tournage, bah, j'en fous partout. Ah,
j'allais oublier, les amis. J'ai pas lâché avec le canapé, c'est sûr, sûr, sûr. Hein. Je vais prendre le canapé chez But. Donc, il faut qu'on y retourne avec Eric, qu'on choisisse quand même. Et je sais pertinemment que ça va me changer tout. Pour ça, pour tout, même la perspective du salon, ça va être trop beau. Par contre, ce qu'il va falloir que je fasse attention, c'est vrai, il ne faut pas non plus que le canapé soit trop haut, sinon ça va bouffer l'espace. Et le fauteuil, qui est de la même collection, oh, je suis à contre-jour, il reste là, lui, hein, par contre, il n'y a pas de souci. Et voilà, normalement, normalement, oui, c'est ma robe de chambre. Ah bah oui, mais j'étais quand même pas bien hein, pendant 3 jours. Normalement, ça devrait faire à peu près, peut-être un peu plus quand même, jusqu'ici. Et le retour là. Je vais quand même aller voir si ça m'inquiète. Le réseau Wi-Fi fait que de la merde. Il saute. Et maintenant, il me fait genre upload les vidéos. Il met 3 heures. Une vidéo qui fait 6 minutes. Non, mais sans, c'est pas possible en fait. Donc la surprise. Voilà. On stabilise, on stabilise. Oh, bonsoir. C'est la surprise en direct. Je vais peut-être m'énerver. 50 minutes, mais qu'est-ce qui se passe, bordel? Pourquoi ça fait ça? Ça y est, je suis énervée, ça me gonfle, mais ça me gonfle. Il reste 50 minutes, une vidéo qui fait 6 minutes, donc la vidéo sera pas en ligne. À l'heure. Ça gave. Honnêtement, c'est blasant. Vraiment, c'est... Ça, c'est mignon, attendez. Je t'avais pas vu, petit Kiki. T'as vu que maman, elle était énervée, alors t'oses pas. Ça se va faire quoi d'ailleurs? Réclamer? Non, t'as eu ton petit goûter. T'es beau et t'es gentil. Putain, je suis sûre qu'au fin fond de la brousse, ils ont plus de réseau que moi. C'est pas possible. Tiens-toi bien. Ça m'en fait plus que je tombe encore. Regardez comme c'est beau. Je vous avais dit, chaque lever de soleil est différent. Oh, avec les petits oiseaux. Je vais zoomer parce que franchement, la couleur. Bon, j'y vais, je crois qu'il y en a un qui a faim. On a un petit chat qui râle, qui s'impatiente ce matin. Hein? Oui. Il est 8h moins 5 et papa est déjà parti au travail. Il commence à 8. Il avait cours à 8h, je crois. Vous l'aurez compris, nous sommes le lendemain. Je vais faire le petit déj. Rebonjour, de face, toute prête. Parce qu'hier, je vous ai un peu laissé brutalement. J'étais agacée avec ce réseau. Et, coïncidence ou pas, ce matin, je vois par la fenêtre, j'entends des gens parler. Il y avait 4 messieurs avec des trucs en fluo. Je dis hop, 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 hop. Et ça regardait un petit peu les façades. Donc, franchement, il faut que je sois dans un état désespéré. J'étais en peignoir, les cheveux en vrac, pas prête du tout. J'ai dit, je m'en fous. J'ai ouvert la fenêtre. D'ailleurs, je crois que ma caméra est tournée à ce moment-là. Excusez-moi. Oui, madame. Bonjour. C'est pour la fibre ? Non. Donc, c'est bon, en fait. Ouais, c'est bon. Merci. Sinon, ce matin, alors j'ai reçu, le facteur est passé. Effectivement, j'ai une nouvelle collab qui va arriver avec Shein. Cette fois-ci, j'ai une promo, c'est pas 6, mais 8 vêtements. Mais j'en ai reçu que 2, donc je pense que ça va être en différé. Peut-être demain, j'aurai la suite. Et je les ai pas essayés, mais je vous dis que le prochain haul, je pense qu'il va être topissime. C'est encore de la fourgonnette avec une échelle. Qui sait ? Oula. Je vous montre vite fait un truc. Celui-ci, c'est un body. C'est le body un petit peu tendance. Il y a la capuche. Il y a de l'écriture comme j'adore. C'est le body qui m'a l'air un peu sportswear. J'ai hâte de vous essayer ça. Et ça, une veste, manteau, qui fait un petit peu robe aussi, qui est, je pense que c'est matière tweed. J'espère surtout que ça va être bien comme j'aime au niveau du cintré. Bon, par contre, j'ai dit que je n'en parlais plus. Je pense que c'est normal, que c'est les suites à les lendemains d'ostéo. C'est normal que t'es mal. Bon, j'ai pas mal là où je devrais avoir mal. C'est ma hernie qui m'a relancé. Mais c'est normal, je pense que le squelette, il se remet tranquillou. On va pas s'énerver. Cette vidéo sera la dernière vidéo. Attendez, avant mon annonce. Bah oui, parce que là, on est vendredi. Vendredi 8 janvier. Demain, nous sommes samedi, jour de la livraison, tournage, et l'annonce se fera dimanche. Dimanche à 18h, je vais faire un petit compte à rebours sur Insta. Je vous rappelle hein, de me mettre vos pronostics, ce que vous pensez qu'est ce petit projet. Vous l'aurez compris,
Je vais vous laisser. Je voulais quand même vous prendre face cam parce que ça ne rime à rien d'avoir coupé comme ça hier. C'est que je crois que j'ai pas eu le réflexe hier. On a papoté. Enfin, j'étais avec Eric, voilà. Et je n'ai pas repris ma caméra. Je vous fais un gros, gros, gros bisou et on se retrouve du coup dimanche. Salut.